L'actrice américaine Jennifer Aniston a fait une entrée remarquée pour l'avant-première de Murder Mystery 2, accompagnée de stars bien connues du public français. À chaque apparition, le même engouement de la part des fans et de la profession. Accompagnée par sa co-star Adam Sandler, Jennifer Aniston est apparue dans une sublime robe moulante dorée au pied de la Tour Eiffel, pour la grande avant-première parisienne de Murder Mystery de ce jeudi 16 mars 2023. La suite de la comédie policière sera disponible sur Netflix le 31 mars prochain, avec deux belles surprises au casting. Jennifer Aniston toujours aussi resplendissante à Paris à 54 ans, l'inoubliable interprète de Rachel Green dans la sitcom Friends n'est pas près de raccrocher. Invitée de C'est à vous, la suite ce mercredi 15 mars, l'actrice et productrice Jennifer Aniston était venue présenter la suite de Murder Mystery, dans laquelle elle retrouve son partenaire Adam Sandler pour une nouvelle enquête internationale. À Paris. Raison pour laquelle nous la retrouvions, le lendemain, sur une péniche au pied de la Tour Eiffel pour célébrer cette sortie en grande pompe sous les crépitements de la Dame de Fer. Rayonnante, Aniston a fait sensation sur le tapis rouge vêtu d'une longue robe moulante couleur or signée Michael Kors. Deux Frenchies au casting de Murder Mystery de Jennifer Aniston a également été photographiée aux côtés de Danny Boone et Mélanie Laurent, qui figurent tous deux au casting de cette suite. D'ailleurs, les deux actrices semblent être tombées d'accord sur le code couleur à adopter pour l'événement. L'actrice césarisée en 2007 pour le film Je vais bien, ne t'en fait pas à elle aussi arborer un look doré à paillettes. Le premier volet du récit d'énigme Murder Mystery avait rencontré un franc succès sur Netflix à sa sortie en 2019, avec plus de 30 millions d'heures de visionnage en un week-end. Danny Boone, quant à lui, incarnera à nouveau l'inspecteur de la Croix d'Interpol, avant la sortie prochaine d'une nouvelle comédie, La vie pour de vrai, qu'il partagera avec Cadmerad. À lire aussi Je vais pleurer, Courteney Cox émue aux larmes avec ses amis de Friends Jennifer Aniston et Lisa Kudrow à la remise de son étoile au Hollywood Walk of Fame, article écrit en collaboration avec Cimedia.